Vous savez, quand on est 25 joueurs, on en laisse 7 dans les tribunes, c'est pas évident. Et les garçons sont venus à la mi-temps, ils ont parlé aux joueurs, ils les ont encouragés. Des remplaçants ne sont pas rentrés, ils étaient là, ils ont fait le travail, ils ont fait le boulot. Après le match, ils sont allés travailler. Donc j'ai une âme dans cette équipe. J'ai une âme et je ne lâcherai rien. C'est-à-dire que je vais leur apporter toute mon expertise. On est ensemble. Donc je veux leur donner satisfaction dans mon travail et qu'ils donnent tout. Et on sait très bien, on a des joueurs à petit gabarit qui ne sont peut-être pas forcément faits pour le football africain comme on le voit ce soir. Mais ils l'ont vu ce soir. Mais ils peuvent en jouant simple peut-être, ils se sont rendus compte que ce soir, s'ils gardaient le ballon, ils étaient dans l'impact et ce n'est peut-être pas leur jeu. Donc ce soir, c'est une prise de contact et j'espère qu'il y aura une réaction là-bas, de rester ensemble, de ne pas donner d'action, de ne pas donner d'opportunité aux Maliens de marquer. Et puis si on a 2-3 situations, une au fond, c'est tout ce que je demande pour se qualifier pour la CAN 2019. Patrice, on a vu Mazraoui quitter le terrain en boitant, ouais. Enes aussi, Wahim qui est sorti en boitant. Quel est l'état de santé des joueurs? On va faire le point demain, parce que là ce soir c'est beaucoup de bleus, beaucoup de coups. On les a mis dans la glace ce soir. Sincèrement, il y avait beaucoup d'œdèmes, beaucoup de coups. Même des joueurs, vous savez, quand on est chaud, on ne sent pas. Et puis, dès qu'on prend la douche, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de coups, vraiment. C'était vraiment un match d'hommes. Donc, on fera le point demain. J'espère pouvoir récupérer tout le monde. J'espère vraiment avoir le choix des 25 joueurs pour faire ma meilleure équipe de 18 et de 11, voilà, pour se qualifier. J'espère vous voir avec le sourire dans 3-4 jours. En rentrant au vestiaire, c'était quoi votre message? C'était des félicitations, des réprimandes? Mais vous m'avez gardé tellement longtemps que lorsque je suis rentré, les remplaçants travaillaient sur le terrain et les titulaires, ils étaient dans la glace. Donc, et puis parler après le match, je suis juste allé leur taper dans les mains, je leur ai dit lever la tête. Et certains étaient un petit peu fatigués. Je dis lever la tête et on va le faire. 1-0, ça suffit. 1-0, on sait le faire au Maroc. On en a fait pas mal de 1-0. Donc, Inch'Allah, on va reproduire ça. بعد هذه النتيجه هذه احنا ما مهبطينش يدينا وباقي تيقين باننا نقدروا ان شاء الله نجيبوا التاهل من باماكو ان شاء الله. كيفاش شفتي المقابله ديال اليوم يعني اللاعبين ديالنا ديال المنتخب الوطني؟ شنو في رايك انت اللي ما خدمش اليوم؟ واش كان بزاف ديال لي زوكاسيون اون غاتي ولا ما كانش اللعب كان لا باز ولا شنو بان لك انت؟ كنظن ان الحاجه الوحيده اللي ما كانش يوم مزيان هما لي ديال هما اللي كانوا هما قصح منا في لي ديال وكانوا كما كنقولوا صحاح فيزيكمون مي ان شاء الله غادي نحاولوا نداركوا هادشي في الماتش روتور ونجيبوا التعاون ان شاء الله.